Bonjour. Aujourd'hui, j'avais le goût de regarder avec vous les quantités qu'il peut y avoir dans un sac de bonbons. Oui, je suis allé à un petit commerce pas loin de chez moi. J'ai acheté deux sacs de friandises colorées. Gourmet Jelly Bean, bonbons haricots gourmets. 24 variétés et saveurs de couleur. Les deux sacs sont pareils, 150 grammes. Candy Friandises. Pour 30 pièces, 39 grammes, ça veut dire, cela voudrait dire que environ 1 gramme, un peu plus de 1,1 gramme du bonbon. 30 grammes équivaut à 140 calories. Alors, pour vous, on va faire une vérification toute simple. On va compter ensemble chaque sac combiné. Il y a de jelly bean. Alors, je vois ici, il y a une petite ouverture. Et ça ne fonctionne pas. Détaché ici. Et non. Alors, au départ, l'indication n'est pas bonne. Maintenant, on va compter ensemble combien il y a de jelly bean dans un sac. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont sensiblement la même couleur que le ciel. Maintenant, j'y vais avec les rouges qui ressemblent à la couleur du sang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 qui sont sensiblement la même couleur avec quelques petites variantes près. Donc, les couleurs ne sont pas toutes égales en quantité. Et on va y aller avec les verts, mais cette fois-ci, peu importe la nuance de vert, je vais tous les prendre. Je comprends qu'ils ne sont pas tous pareils. Alors, on y va avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 verts de toutes les variétés. Ah, ici aussi, ça ressemble un peu à vert, mais c'est plus une couleur d'olive. Quoique, les olives aussi sont vertes. On va y aller avec la couleur d'olive. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, celle-ci, elle ressemble plus à... Je devrais sortir ma boîte de crayons coloriés pour comprendre la couleur. Disons, bordeaux. 1, 2, 3 bordeaux. Et celle-ci, c'est difficile à donner une autre couleur. C'est pas rose, c'est pas fuchsia. C'est couleur bonbon. Tiens, couleur bonbon. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 couleurs bonbons. Couleur chair, couleur de la peau. Celui-ci, il y en a seulement un. Et regardez, ils sont soudés. Ces deux sont soudés. Mais on compte quand même. 1, 2, 3, 4. 4 couleurs bonbons. Couleur œuf d'oiseau sauvage. Oui, avec des beaux petits motifs. Regardez ces beaux petits motifs. 1, 2, 3, 4. J'aime ça. Il y a une bonne variété. Et si on allait avec fait changement de couleur plus par le blanc. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. Pour le blanc. Celle-ci, elle joue entre le jaune et le blanc. Alors, je l'ai choisi, celle-là aussi. Alors, on y va pour 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Et maintenant, directement avec le jaune citron et jaune avec quelques marbrures. Pourquoi pas? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ah, un petit rouge que j'ai oublié tout à l'heure. Il était caché. 1. Maintenant, on y va avec tangerine. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, ah, deux bruns. Un, je les confondais avec raisin. L'éclairage vient de changer brusquement. Je suis près d'une fenêtre. Alors, j'ai deux bruns. Et on y va avec ce que je pourrais nommer mauve. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mauve. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et 8 pour un total de, allez, dites-le, pour un total de, ah, vous n'avez pas observé le nombre de billes de chaque couleur. Non, je recommence pas à les démêler. Par contre, ce que je peux faire, je peux les rechercher à nouveau et les compter. Que je suis à compter les moutons avant de m'endormir. Et c'est toute une belle image, compter les moutons avant de s'endormir. Alors, on était rendu à 30. Ah, ma petite jumelle, mais on va la compter quand même pour une. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.
72, 73, de 14, 75, 76, 77. Et si on sépare celle qui était en deux, ça donne 78. Bean, jelly bean, here we go, gourmet bonbon, jelly. Saveurs variées. 24 variétés de saveurs et de couleurs. Alors, on y va pour 77 plus 1, 78. D'accord. Cette fois, je vais mettre de côté un petit bocal. Et ce sac est vide. Je vais prendre le deuxième sac. Quantité. Il s'est toujours écrit tie here, déchirer ici. Ici. Ah, celui-ci fonctionne. D'accord. Voilà. Et on va le remplir à nouveau, cette fois-ci sans détailler les couleurs, simplement pour s'assurer qu'il y a le même nombre de jelly beans dans chaque sac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Dans celui-ci, il y a des noirs que je n'avais pas dans l'autre sac. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 58, 59, 60, 61, 62, 63, ah, un double, 64, 65, mais dans l'autre, je l'ai compté en double aussi. Alors, je fais le compter tout de suite en dessous, double pour 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 et 78. En théorie, ce plat est la même chose que tout ce qu'il y avait dans l'autre sac. Et il me reste cette quantité. Alors, on est rendu à 78. Ici, voilà.
Mais je vois que elles sont plus petites que les autres, peut-être pour ça qu'il y en a plus. Soixante et dix-huit plus quarante. Donc, ça nous donne 108. 108. Ici. Et 78 ici. C'est la même quantité en poids, mais celles-ci sont plus petites. Alors, il y en a un peu plus, mais c'est le même genre de choses. Alors, je vais reprendre mon petit plat. Ah, ouais, j'aime ça, hein? Je se promène un peu partout. Comme je l'ai pris beaucoup dans mes mains, j'ai lavé mes mains avant, mais tout de même, je serai le seul à en manger. À moins que je lave mes bonbons, que je les désinfecte. Est-ce que ça se peut? Non. Ils sont tout gommants. Cuit de Valou, ici au Québec, cette compagnie de bonbons, un petit clin d'œil pour At Work, tu ne peux pas manger plus de Jelly Bean que de Smarties. Alors, 78. Plus 78, plus 40. Ainsi, ça donne 100. Allez, allez, 200, 100, 100. Allez, allez. Oui, c'est ça. Alors, j'espère que vous allez vous nourrir avec de meilleures choses que ces petits bonbons.